Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de sécurité globale. Hier soir, on était à Paris. Il y avait du monde de partout contre cette loi. Monsieur Mélenchon est venu faire semblant de venir voir le peuple. Bah oui, il essaye de se mettre des électeurs dans la poche. Mais les gens ont compris son petit jeu, lui aussi. Il est pareil que les autres. C'est tous la même merde, tous la même clique. Ils veulent nous priver de nos droits. Il va falloir se battre très fort. Parce qu'eux, ils ont quelques coups d'avance même, sur nous. Il va falloir être très fort et régulier. Il va falloir sortir sans arrêt dans la rue. Fini la mascarade du Covid. Covid mytho. Je vais vous en parler un peu du Covid mytho. Alors, j'ai vu des enregistrements dans des EHPAD et des hôpitaux. Comme quoi, avec une personne de 79 ans qui arrive, on lui dit... On ne sait pas si vous avez le Covid, mais on pense que vous avez le Covid. Alors qu'est-ce qu'a fait l'infirmière? Elle appelle ses responsables, son responsable lui dit tu vas l'hospitaliser et tu vas lui donner du Rivotril. Alors il dit à l'infirmière tu vas lui donner du Rivotril. On sait tout ce que c'est que le Rivotril. Ça accélère le rythme cardiaque, ça t'envoie à la mort. Cette personne, 79 ans, très bien portante. Quand son responsable lui dit ça au téléphone, elle a comme des larmes aux yeux. Son supérieur lui dit les ordres viennent d'en haut du ministère de la Santé de monsieur Véran. C'est les ordres, vous donnez du Rivotril et du spasmo je sais plus quoi aux personnes âgées, c'est pour les accompagner dans la mort. Et oui, et là avec ça on sait tous qu'est-ce qu'il est en train de se passer depuis le début. C'est un génocide programmé. Mais non, monsieur Macron va se mêler des autres pays, des soi-disant dictateurs, qui en est un lui-même, qui envoie son propre peuple, ses propres vieux à la mort. Ce n'est rien d'autre qu'un nettoyage, tout ça. La retraite, la réforme des retraites. Eh oui, il a envoyé pas mal de vieux, ça fera des retraites en moins. Et il continue d'en envoyer à la mort, c'est pas mal de retraites en moins. En plus, ce même Véran, qui donne du poison aux personnes âgées pour qu'ils meurent, vient nous dire aussi, nous disait oui le confinement c'est pas bon, pourquoi la grippe disparaît au printemps? Parce que vous aérez les maisons, vous sortez dehors et là il faut rester enfermé, pourquoi? Pour se contaminer ou pour devenir fou? C'est ça mes amis, c'est ça qu'ils veulent en fait, ils veulent rendre fous les gens. Mais vous inquiétez pas, il faut qu'il y ait du monde maintenant dehors, partout. Il faut arrêter d'avoir peur dehors, soi-disant pandémie, qui n'en est pas une, qui ressemble plus à un génocide, comme j'ai dit, programmé du gouvernement. Ce gouvernement a du sang sur les mains. Il va falloir qu'il paye. Très vite même. D'accord? Et nous, le peuple, on est souverain. Ça veut dire que c'est nous qui décidons, soi-disant. D'accord? Il va falloir qu'on se bouge le cul. On accepte l'inacceptable. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Pop, lève-toi. Et réveille-toi. Avant qu'il soit trop tard. Car d'ici 6 mois, ça sera foutu.